Vendredi 10 janvier, Bezrat Hashem, le 9 du mois de Shvat, on met à Toubishvat. Lundi, on fera les halakhot de Toubishvat, Imirtsa Hashem. Blineder de Blineder, Bezrat Hashem, bonjour à vous tous. Shabbat Shalom. Nos deux halakhot rapides, Bezrat Hashem, sur Ovadia Yosef, deux questions, deux réponses, et on attaquera le dernier volet de la parasha de la semaine avant Shabbat Kodesh. Bezofen, Yesh, la tête, Daka. De quelle façon on doit donner la Tzedaka? Une question qui est posée ici. Neymar Beteilim, Ashre Maskil Eldal. Heureux l'homme qui est intelligent. Da Yenu, She Magdish Zman, Ken. Le Tachnen, Ketzad, Itachen, Lani, et sa Tzedaka, Bederer, le Choubedet, Kedeshelo, It Bayesh. Et là, il nous dit le Teilim. Heureux l'homme qui saura réfléchir face aux pauvres. Bamed Varim Amourim, de quoi est-ce qu'on parle? Il explique ici le Rav Ovadia Yosef qu'un homme, avant de donner la tzedaka, il doit réfléchir de quelle façon il va la donner. Ça veut dire quoi, de quelle façon il la donner? Il va faire le kaddish quand il donne l'argent, le mec, ou quoi? Il a les boules. Et la kavana, de quelle façon je vais pouvoir lui donner pour le mettre le plus à l'aise, pour qu'il prenne l'argent sans qu'il sache que c'est de moi, sans qu'il sache que ça vient de Kivyachol, lui c'est celui qui est en bas et moi je suis celui qui est en haut. Quelle façon? Ça veut dire, comme il le dit ici, chez Loïd Bayesh, comment je vais faire? Pas tu donnes directement, non, Tarchov. Je vais raconter l'histoire de Rabbi Moshe Ederi, comme qui lui a demandé 20 000 francs à l'époque des francs pour la besoin de son fils. Il lui a dit, moi, je sais pas, mais tiens, fais-lui un chèque de 20 000 francs. Toi, tu peux lui donner. Toi, tu es riche. Il a sorti, il a fait 20 000 francs. Quand la dame, elle est partie très contente, il a sorti son chèque et il a refait le chèque à celui qui lui avait fait le chèque. Pour pas qu'elle ait honte de lui. Donc, elle ne connaissait pas l'autre. Elle a dit, bon, celui-là, il est très riche. Il a monté comme ça. Tu as beaucoup d'argent, donc c'est pas un problème pour toi. Non, bien sûr, c'est pour les boules. 20 000 francs à l'époque, c'est... Il était venu voir Rabbi Moshe Ederi un dimanche matin pour dire bonjour à la base, en petit jogging et tout, et Mina Shami, il avait son chéquier, tu vois. Il voulait une bracha pour la parnassa, et il a fait un... Dans ce cas, je peux te dire une chose, que Rabbi Moshe lui a fait une bracha pour la parnassa, il est venu... Je pourrais vous le dire. Tov, Vekatev, Vekatav, c'est Rabbi Kafahayim, Shemeth Zaka, Tiyeh, Bamida, Veraou, Le'avir, Et, Akesef Miyad, Limin, Le'yad, Limin. Donc, il faut faire la tzedaka quand on se tient debout. Par exemple, viens de donner la tzedaka, ne reste pas assis. C'est la mode. Quand tu viens de la tzedaka, quelqu'un vient pour te demander la tzedaka, t'as un mode. Pourquoi? Parce qu'il y a une manière de shrina qui vient devant la personne. Il y a plusieurs choses sur lesquelles, dans le sod de l'étude de la Torah, quand tu avances un petit peu, il y a des choses pour lesquelles on doit se lever. On ne comprend pas réellement pourquoi. Parce que quand vient un pauvre, il y a Dieu avec lui. Donc, tu te lèves, premièrement. Une femme enceinte, par exemple. Une fois, une femme enceinte est passée comme ça à Yerushalayim. Et il y avait des rabbinim qui étudiaient la Torah et se sont levés devant elle. Je suis pas Mama Salé, moi. Il dit, madame, on se lève pas pour vous, on se lève parce que vous avez un garçon dans le ventre et l'ange Gabriel lui apprend la Torah. On se lève en l'honneur de Gabriel. Ah, d'accord. Oui, je te... Hein? C'est dur dans les voitures. De se lever? Ouais. Tu fais exprès, toi, ou quoi? C'est dur dans les voitures de se lever. Bah, t'es dans la voiture. Ah, pour faire la tzedaka, c'est... Donne-lui un pain au chocolat. שאפשר יותר, כן, בסתר. ומי שנותן בעזרת השם על מנת להתפאר, יענש על כך. Et tout celui qui donne de la tzedaka, dans l'intérêt de se montrer dans ce domaine, non seulement la tzedaka, elle n'est pas valable, mais il sera fortement puni pour cela. Tout celui qui donne de la tzedaka pour montrer que lui, il donne moi et moi et moi, il va faire. Il retient la rote et tatsmo, qu'on voit bien que c'est lui, qu'il a fait un gros don, que non seulement... Cette tzedaka n'est pas valable. Attention, si maintenant il fait un don dans un gala, alors bien sûr, tout le monde voit que c'est lui. Mais on parle de l'intériorité. Dieu, dans le 7e Tehilim, 10e verset, il y a marqué « Bochen levaklayot ». On ne parle pas de l'extériorité. On parle de l'intériorité. S'il va bofen sanoua, et ainsi de suite, alors Vadash, il y a un qui vient, il fait un don, il dit « Non, je ne suis rien, je ne suis que poussière » et dans son cœur, c'est, ouais, si j'étais pas là, c'est lui qui va être puni. L'extériorité, c'est pas vraiment important. C'est l'intériorité. Dame Tsirliot Sanoua Bifnim. Attends, il vient, il fait un don. Les gens l'applaudissent, tout ça. Il baisse la tête, il est sincère. Faz Hashem, vous m'applaudissiez. L'or et l'argent, ils appartiennent à Dieu. On n'est que des couloirs de l'histoire. Alors ça, oui, c'est valable. Donc, voilà que si dans ce cas-là, il doit porter un don, il va applaudir. Des fois, il faut même, pour l'éducation, personnellement, il m'arrive des fois de dire, à table, grâce à Dieu, j'avais fait une petite affaire sympathique et j'ai pu aider cette yeshiva.
Alors une fois, mon épouse, Shem Haya, m'avait dit, il y a longtemps de cela, pourquoi tu leur dis ? Je leur dis, Mishum Chinuch, pour l'éducation, que si un jour Dieu vous donne de l'argent, n'oubliez pas de vite donner cet argent, de vite faire de la tzedaka, c'est de l'éducation, c'est entre nous, en famille, pour éduquer les enfants. Donc des fois, je dis, bon, viens avec moi, on va aller voir une famille qui n'a pas d'argent, on va essayer de ramasser pour elle, on va essayer de voir quelque chose. Après, je dis ça à mes enfants, pour qu'après ma mort, si je pars de ce monde, eux aussi continuent sur ce chemin, si Dieu veut, qu'ils aillent s'occuper des pauvres, s'ils ne sont pas d'exemple. Papa, il était riche ou papa était pauvre. Il n'a jamais donné d'oseille. Mon père n'a jamais donné. Moi, je ne donne pas. C'est la rote, dougma, tova. Mais c'est uniquement dans ce sens. Mais pas, bon, allez, hein, je vais donner, hein. Bon, allez. Bon, je vais donner, hein, mais je ne suis rien. L'or et l'argent ne m'appartiennent pas. Mais je vais donner quand même, hein, moi, parce que si je ne suis pas là, vous êtes tous pourris. Mais je vais. Vous prenez un peu le sketch. Il y a plein de gens qui sont comme ça. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que la pire des Gahava, le pire orgueil qui existe sur Terre, c'est la fausse modestie. Et c'est ce que Dieu vérifie le plus. C'est ce que Dieu vérifie le plus, la fausse modestie. Alors que tu viens de la tzedaka, ben, mettre, c'est comme il faut. Mais non, il y a des cas, quand elle va donner, elle va donner le pourcas en face, tellement contente, en sachant que ce geste va être fait, est-ce qu'il vaut mieux ne pas donner? Que c'est tout faire une solution. Donc toi tu dis que des fois tu donnes une femme, bon, t'as donné un billet violet là, c'est pas possible, pour qu'elle t'embrasse comme ça et tout, c'est un billet violet 500 euros, un truc comme ça, non? Parce qu'aujourd'hui les gens qui demandent la tzedaka, quand tu leur mets l'argent dans la main, ils regardent ce que tu leur mets, hein, et ils te regardent dans les yeux en plus, c'est-à-dire qu'ils te regardent en te disant, tu veux que je t'aide? T'as des problèmes financiers? Et des fois, le pire, c'est que des fois, tu donnes de l'argent à quelqu'un, et tu dis, écoutez, j'ai pas de monnaie, pas de problème, et il te sort une liasse. Et là, t'es mal. Tu dis, mais, le mec sort une liasse, mais, sans gêne, hein! Et, là, et toi, t'es là avec ton petit billet en te disant, punaise, je devais aller au resto, et là, je vais pas y aller, tu vois. Et, très compliqué. Faut savoir. Alors, pour répondre à ta question, toi, tu dis, des fois, il y a des femmes qui viennent, qui t'embrassent. Il n'y a pas d'assour, il n'y a pas de issour d'embrasser les habits de quelqu'un. C'est la peau. Comme c'est marqué pour le Ben Ishraï, il dit que, comment Yaakov, vino à la vachalom, il a embrassé Rachel sur la tête. Le Ben Ishraï, il dit que Rachel était tellement toute noire qu'on ne voyait rien d'elle. Elle avait une capuche, et sous la capuche, elle avait d'ailleurs comme une espèce de grande kippa, d'autres termes, et une capuche. Il l'a embrassé sur la capuche. Ravi aussi, il a pris une kala, il a dansé avec, sur ses épaules. Tu prends une kala, une femme qui vient de se marier, tu poses son derrière sur toi, c'est honteux. La Gemara dit non, il a levé la chaise, balèze. Avec la cala dessus, il a mis la chaise sur son épaule. Avalon agaba. Il est sourd. Sourd agabeisha. La reine, moi, des fois, ça m'arrive. Des fois, je parle avec quelqu'un. J'essaie de l'aider, de remonter le moral et tout ça. Et d'un coup, dans la discussion, une vieille dame, hein, bien sûr. Elle me prend la main comme ça. Todaraba raf tuitu, todaraba, todaraba raf tuitu. Et j'ai bleed. Mais. Non, non, saute. C'est pas qu'il n'y a pas d'issour. Il y a. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais une fois le Rav Kadouri, il y a une vieille dame qui était très très... Elle venait de perdre un fils, le Hanev de l'Alechem. Elle s'est mise à pleurer et tout ça. J'ai entendu qu'il aurait pris comme ça. Rabbi Moshe, quand quelqu'un était vraiment mal, j'ai vu de mes propres yeux, vraiment très très mal, il a serré dans ses bras. Alors j'ai regardé, il m'a dit, c'est comme ma fille, mon fils. À son niveau à lui, à notre niveau à nous, on n'a pas... Par exemple, c'est une main en bois qu'elle avait. C'était une main en bois qu'elle avait. Avaliège veillège, mais qui tombait la inyan, encore une fois. Ce qu'il faut, tu viens aider une personne. Par exemple, pour ta question, tu aides une personne, tu lui donnes un billet de 100 shekels pour Shabbat. Elle est tellement contente, elle a ses trois enfants à la maison. Moi, elle a de quoi acheter le kidouche, le pain et un petit morceau de poulet. D'accord? Elle est tellement contente. À son niveau, elle, ce qui compte, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, ce ne sont pas les actions qui comptent, ce sont les intentions qui comptent. Un chirurgien a exactement les mêmes gestes et les mêmes armes qu'un sadique qui va décapiter un corps. D'accord? Donc, ils vont faire des gestes. Il y en a un qui est là pour guérir, l'autre qui est là pour tuer. C'est l'intention qui compte chez nous. Tu comprends? Tu viens, la dame, elle est tellement contente, elle te dit, Toda Rabba, Yaoul, dis-toi, tu es comme mon fils Toda, elle veut, Hasbe Shalom, calme-toi, ça va. Cool. Tu as donné du réconfort, cool. C'est pas que tu es parti la prendre toi par les mains. Elle a voulu te prendre. Prends-moi. Tu comprends ce que je veux te dire? Torah Traim, chez Yedvarim Brurim. Il y a beaucoup plus grave que ça. D'accord?
Maintenant, si la fille, elle a 20 ans, elle est belle comme un dieu, et elle te dit, Todaraba, elle te prend la main, là, tu dis, Sleha, excusez-moi, madame, je vais fondre comme du chocolat. Madame, je vais fondre. Faut pas me toucher. Donc, dans ce cas-là, oui. Par exemple, si tu sais que tu dois aller donner de la tzedaka, tu sais que tu vas donner de la tzedaka dans un endroit où Bémet, tu vas où, je vais en boîte, il y a un mec qui a des problèmes financiers, non? Oui, là-bas, tu peux tomber. Mais il y a plus que ça, et c'est la dernière phrase qui marque ici. Après qu'il a donné de la tzedaka, qu'il ne vienne pas regretter en se disant est-ce qu'il mérite, il ne mérite pas, surtout pas. Et c'est ce que nous disons tous les jours. Le Satan, il a une particularité, c'est que c'est une mouche. Il est comparé à la mouche. Vous avez déjà vu c'est quoi une mouche? Elle vient. En plus, ça, c'est un indicateur de mauvaise odeur, les mouches. Des fois, elles viennent et se mettent sur la joue comme ça. Eh, va-t'en, t'as honte. Et elle revient. Eh, va-t'en, et elle revient. Eh, va-t'en, et elle arrête pas. Jusqu'à ce que la fin, tu prends une tapette et tu éclates la tronche comme ça. Comme... est morte. Résultat des courses. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a marqué la sœur, la sœur de l'Éphanenu, on met harénu, ashkivenu avinu shalom. Le soir et le matin, on dit ashkivenu avinu shalom, ve'amidun malkenu hamim tovim ou shalom. On dit exactement le soir, plus exactement, et aussi au kirat shema de la amita, c'est sur le lit. Milefanenu, on met harénu. Le Satan, tu l'as déjà. Quand tu vois déjà un pauvre qui arrive vers toi, tu dis où rasra. En plus, il y a des pauvres qui sont pros. Hein. Il y en a un là-bas. Je ne vais pas dire où l'homme est chané. Quand je marche à pied, je passe souvent là-bas. Et il fait, hé, Yehudi, quoi, tu vas laisser une famille avec 13 enfants à la maison. Tu passes comme ça, Steam, tu ne me vois pas. Ani Yehudi Kamocha, Bota Zoli, Hashem Rechem Alecha. C'est que le mec, il t'a mis un tel tas de conscience que de ramak que tu vas lui donner en te disant, oh, tu ne vois pas, je ne lui donne pas, je vais perdre. Ils sont pros, ils jouent avec la psychologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On a vu hier qu'on n'a pas le droit de l'italem, on n'a pas le droit de dire, j'ai pas vu pour donner la tzedaka. Mais n'oubliez pas un détail. Comme on dit, quand on a ses œuvres, on a ses œuvres. Quelqu'un qui soutient un Mossad de Torah, qui donne 20% de tzedaka, comme le demande la halakha, alpi tzidkut, c'est-à-dire alpi halakha, l'orav était euthermisé. Habibi, je soutiens le rav un tel, mon argent, je sais où il va, je suis tranquille, ani pashut. Si on parle de matbeot, en bezebaya. Mais le rav va dire, il dit, mais fais attention, ne te laisse pas avoir par ton yetzera. Quand tu donnes, pas tu donnes et tu fais à la vache à l'homme sur l'oseille. Tu donnes de tout ton cœur. Et après, il te dit à la fin, Velo Yer'er. Vas-y, Lo Yer'er. Et qu'il ne commence pas maintenant à réfléchir en disant, tu te rends compte, cet enfoiré, celui-là, je lui ai donné de l'argent, regarde maintenant, il est en train de jouer où? Alter'er, parce que ta mitzvah, elle est valable chez toi. Que lui, il en fasse des mauvaises choses, c'est son problème. Sauf si tu le savais à l'avance. Dans ce cas-là, il ne fallait pas donner. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Toi, il y a une personne comme ça, malheureusement à Belleville, il y avait beaucoup de juifs qui étaient vraiment très très pauvres. Mais vraiment vraiment très pauvres. Il y avait Rabbi Moshe Ederi qui était là-bas. Et il y a un pauvre qui est venu le voir en lui demandant de l'argent. Alors Rabbi Moshe Ederi à la Vache Shalom, il avait sorti un billet. Et discrètement, avec un grand sourire, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il lui a donné ce billet comme ça. Rabbi Moshe disait, quand il donnait de la tzedaka, il mettait sa main comme ça et il baissait la tête, il devenait rouge lui. Et lui, il avait honte parce que c'est pas... Il lui disait merci beaucoup, tenez, merci beaucoup. Le pauvre, il comprenait rien. Il disait, ah, bon, d'accord. Bon, jusque-là, ça allait. Et il y a quelqu'un qui a fait la réflexion. C'était dans le magasin de ma mère, Hachem Oshur Hayer. Et il lui a dit, Grodara, ce mec, il va aller jeter de la boucha, je le connais. Il boit 2 bouteilles de boucha par jour. Alors, pourquoi? Parce qu'il a eu beaucoup de malheur et donc il boit. Rabbi Moshe s'est mis en colère contre lui. Il lui a dit, je ne comprends pas quelque chose. Sa femme, elle a quitté. Ses enfants ne vivent plus avec lui. Son travail, il a été renvoyé. Il a presque plus de maison. Et la seule chose qu'il lui reste, c'est ça. Même ça, vous voulez l'enlever? Vous n'avez pas de séchel? Comme ça, il a répondu. Bon, c'est une philosophie un peu spèce. Mais quoi qu'il advienne, c'est ce qu'il a répondu en disant, un homme, c'est tout ce qui lui reste dans la vie. Même ça, tu veux lui enlever. Tu vas le juger sur ça. Alors, ne l'aide pas ou aide-le. Mais si tu l'as aidé, tu ne fais pas le kadish après. Commence pas à dire, je regrette. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça et ça? J'ai une autre histoire à vous raconter que j'ai vécu moi-même. Il y a très, très longtemps de cela. Un truc comme quoi, que quand je vous vais te montrer les choses, c'est impressionnant ce que tu peux découvrir. C'est quelqu'un qui est venu demander vraiment de la tzedaka, mais lui, il pleure. Quand il pleure, tu pleures avec lui. Hein. Je t'en supplie. T'oses pas lui sortir un billet de 50 francs ou un billet de 50 shekels, hein, je te le dis. Il sort un billet de 100, minimum. Et donc, quelqu'un est venu, il lui a donné une belle somme d'argent. Super content, que Dieu te bénisse, toi d'Araba. La semaine d'après, j'ai un copain qui vient des États-Unis qui va à l'hôtel à Eilat. Moi, j'avais, comme je vous explique, j'ai aussi les cours à Eilat. J'allais à Eilat, j'avais mes beaux-parents là-bas.
Je les bénisse. Résultat des courses, je me retrouve dans le même hôtel que le mec a demandé la tzedaka une semaine avant. Et là-bas, top, jusque-là, il est matov, ou manaïm. Ah. C'est d'y réfléchir avant. Donc, Maché Atsamizé, on se retrouve au Dalpak, il y a mon copain. Moi, je suis en train de traduire pour lui. Et il y a l'autre qui arrive avec un autre copain qui vient prendre une chambre d'hôtel. Et là, celui qui a donné le don, il me dit, tu vois, c'est ça que j'aime pas. C'est des profiteurs. Je lui ai fait, chut, tu viens de perdre toute ta mitzvah. Et comme moi, je suis très timide, vous me connaissez, j'ai été voir juste à côté, je lui ai dit, Baruch HaShem, je suis content que grâce à son argent, tu as eu la bracha. Voilà quoi, je dis, bon. Le mec était à côté de lui, il dit, de quoi vous parlez, monsieur? Je lui ai dit, non, lui, il me comprend. Et à ce moment-là, lui, il dit, non, je vous explique, lui, c'est mon grand frère. Il vient d'arriver de France. Il a vu que j'étais tellement mal, il m'a dit, viens, je t'offre l'hôtel. L'autre, quand il a entendu ça, je lui dis, non seulement tu as perdu ta mitzvah de tzedaka, mais en plus de cela, tu t'es trompé dans ton jugement. Et il n'a pas très bien compris, on était un petit peu mal à l'aise comme ça, parce qu'il y a une ambiance de remise en question. C'est ce qu'il dit. Loyer R, chez Michel Tan Loyer Agoun, tu as fait ta tzedaka, commence pas maintenant à juger derrière. Toi, tu as fait ce qu'il fallait faire, il y a Dieu pour voir ce qui se passera. Sauf si tu sais Mili Khatrila, alors que tu décides de ne pas donner. Est-ce que c'est clair? Le fait. Une coupa de tzedaka sur laquelle il y a marqué le nom du Mossad. Par exemple, il y a marqué sur la boîte Lubavitch Rechov Intel. Il y a marqué Breslev Rechov Intel. Il y a marqué Rav Kook Rechov Intel. Machon Meir, Merkaz Arav. Il y a marqué Oel Moshe. On va se mettre dedans. Or Eliaou, Shiva Yerushalayim. Donc, sur la boîte, il y a marqué le nom. La question qui est posée au Rav Ovadia est Coupa de tzedaka shekatouva le Hashem shel Mossad. Aïm yachol ishtamesh ba'al edvarim acharim. Est-ce que je pourrais. Est-ce que je pourrais utiliser l'argent que j'ai mis dans cette tzedaka qui est meyu'edet, c'est-à-dire spécifiquement adressé à une adresse, pour autre chose dans la tzedaka? En d'autres termes, je prends un exemple concret. J'ai une tzedaka de Oel Moshe, pourrais-je la donner à la yeshiva de Or Eliyahu, une autre yeshiva? Toi, tu dis non. Kupa tzedaka munachat bebabait, shekatuv alei Hashem shel Mossad, miyad shemenichim sham ma'ot, zacha ba'em oto Mossad, vafal pi chen. Im avdu o gnavo enu chayav bahariyutehen. À partir du moment où tu as un nom dessus, la première pièce qui tombe dedans, déjà la première pièce, elle appartient au nom du Mossad sur lequel il y a sur la boîte. Donc je ne vais pas donner une boîte Breslev qui est spécifiquement avec son adresse, numéro de téléphone, on sait qui sont, pour une autre Mossad. Viem agabai loba la kachet et akupa im efshar sheyodeh olo shavo im lav. Dans ce cas-là, il faudra faire Atarat Nedarim, s'il ne vient plus récupérer cette boîte, sur la boîte de Tzedaka, les Dekars, il pourra le donner à un autre Mossad, avec leur permission, à partir du moment où ils n'ont pas eu, voilà, de personnes qui soient venues chercher cet argent. C'est pour cela que faites très attention, d'ailleurs, dans les boutiques, vous avez des gentlemen cambrioleurs, des rabbanim, d'irabbanim, qui viennent, et qui viennent ramasser le Tzedakot. Et qu'est-ce qu'ils font? Il voit les boîtes comme ça, donc vous avez des fois plusieurs boîtes de tzedaka, et il les vide. C'est des voleurs professionnels. Il faut, messieurs, demander la carte. Vous êtes quel yeshiva, monsieur? Les yeshiva de Aix-les-Bains. Votre tzedaka, c'est celle-ci. Ça, c'est Rabbi Meir Balanes, c'est pas la vôtre, monsieur. Ça, c'est Lubavitch, c'est pas la vôtre, monsieur. Il faut bien regarder. Comme un homme, il cherchait de l'or, de l'argent pour lui. De la même façon, il doit chercher les intérêts d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, le man Shemo Be'ahav. Je vais finir avec cette parenthèse. Donc, non. Si on a dedans ce qu'il faut, on continue sur la paracha de la semaine, puisqu'on s'est arrêté à la moitié. Bechem Hashem, Nase, Venatria. Bien. La paracha nous dit comme cela. Vayugad le melech mitzraim ki barach ha'am. On a vu ici qu'on a rapporté à Pharaon que le peuple d'Israël s'est sauvé. Tu pêches. Tu viens de prendre 10 coups dans la tronche et tu veux encore poursuivre les enfants d'Israël? Comment c'est possible? Le mot qui barach ha'am, comment on écrit le mot barach? Bet, resh, het. Bet, c'est deux. Resh, c'est 200. Et het, c'est 8. Ça fait combien en tout? 210. Qui barach ha'am? Ils n'ont pas fini les 400 ans. Ce même Dieu qui les a fait sortir n'ont pas fini. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici, Pharaon?
Ki barach ha'am. On vient de lui dire, ils n'ont fait que 210 ans d'esclavage. Donc combien il manque? 190 ans. Bah, yahashav, hachem et taketz. Le mot ketz, kouf tsadi, c'est 190. Rajouté aux 210, ça fait 400. Dieu a considéré que la fin des enfants d'Israël était si dure qu'elle a complété les 190 ans qui manquaient. Mais pas pour Pharaon. Ki barach ha'am. Ils se sont sauvés de la xéra de Ben Ametarim. Ils se sont sauvés du décret d'Akadosh Baruch Hu, où les enfants d'Israël devaient rester encore 190 ans. Donc, au nom d'Hachem qui viachol, maintenant Pharaon, ce petit rachat, il ose poursuivre les enfants d'Israël en disant, Slicha, vous avez encore une dette chez moi. Ma pitam que vous partez. Et pour le tromper à travers cela, je vous rappelle que Moshe Rabbeinu alav shalom lui avait dit, Shloshet Yamim, nous partons que pour 3 jours. Et pourquoi ils ont compris maintenant qu'il barach ha'am? Parce que la distance qu'ils avaient pris était tellement éloignée que même s'ils étaient revenus, les 3 jours étaient déjà dépassés. Lachen batoar shu barach misham. Vezeh ha'matzav. Arba kitot. Le peuple d'Israël s'étant retrouvé devant la mer Rouge, s'est retrouvé face à une situation où la politique israélienne avait déjà commencé à l'époque, la politique des Hébreux. Ils se sont divisés en 4 partis politiques. Le premier parti politique a dit, petit 1, Tzachim Leitabed. On va se suicider. Il y a un groupe de juifs qui a dit, si c'est pour retourner en Égypte, je préfère mourir. On va se jeter à la mer. Mais pas juste se jeter à la mer pour vivre. On va se jeter à la mer pour mourir et dévorer par les poissons, ça suffit. Premier groupe, retenez-le. Deuxième groupe, ils ont dit quoi? Bon, alors maintenant qu'on a la mer et le désert, c'est évident que là, on va pas pouvoir y arriver. Pourquoi? Parce que d'un côté, qui s'agarrent à la M à Midbar, car ils ont fermé sur eux le désert. Et pourquoi le désert, c'est si compliqué pour les Hébreux? Car je vous l'ai déjà dit et je le répète encore, parce que le désert, c'est l'endroit où il y a le plus de démons et d'esprits maléfiques sur terre. C'est leur endroit à eux. Les Hébreux voient le désert ou la mer. La mer, c'est pas possible. Le désert, trop dangereux. Et pourquoi? Et ils n'auront pas tort. Parce que le désert, étant donné qu'on vit dans un monde d'influence absolue, c'est-à-dire que quand tu rentres dans une porcherie, tu sens le porc. Quand tu rentres dans une parfumerie, tu sens le parfum. Quand tu rentres dans le désert, tu sens quoi? Tu deviens démoniaque. C'est pour cela que tous les marabouts vivent dans le désert pour devenir eux-mêmes des démons. Et dans la Kabbale, c'est marqué qu'effectivement, et vous allez bien le comprendre tout de suite, quel est le livre sur les 5 livres de la Torah qu'on appelle le livre des catastrophes, le livre où il y a le plus d'avérot des enfants d'Israël? Bamidbar, 4e livre. Et pourquoi ce titre de livre entier où vous avez toutes les parachutes de la Torah parle, il n'y a pas une parachute à peine catastrophe. Même les tzadikim, comme Myriam, sont projetés dans Dieu avec la Shonara. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Dans le Sod HaHashmel, il dit là-bas, ce n'était pas réellement la faute des enfants d'Israël, mais l'endroit où ils étaient influencés sur eux. Pourquoi? L'endroit où ils étaient influencés, c'est parce qu'ils étaient dans le désert. Et c'est ce qui a marqué qu'il s'agare à l'énoua Midbar. Il a fermé sur nous le désert. Pharaon connaissait le secret du désert. Mais non, ils n'ont qu'à fuir par le désert. Parce que s'ils vont dans le désert, et regardez, on passe la mer Rouge dans la paracha de la semaine, on pose le pied dans le désert, ouais, on n'a pas d'eau, on était mis en Égypte. Oh, tu viens de voir un miracle comme ça. Ah, Ziachir Moshe, ouvne Israël, tu as été plus grand que Yechezkiel Ben Bouzi. La Gemara nous dit, Masherata Shifra, une servante, là-bas dans le désert, dans la mer Rouge, même le prophète, un des plus grands prophètes d'Israël, n'a pas été capable de le voir. Alors comment tu peux te plaindre? T'as pas confiance en Dieu? Emtsem Arichat Matsav Betoch Hamidbar Garma. Le fait qu'ils aient mis le pied dans le désert, ça a provoqué la faute. Pourquoi? T'es rentré dans un monde où ça pullule de force du mal. Et ces forces du mal t'englobent. D'où l'expression de là. C'est pour ça que Dieu ne se met pas en colère. Mais ils ont raison. Tape sur le rocher, Moshe. Fais-leur descendre de la manne, paracha de la semaine. Pourquoi Dieu ne se met pas en colère ici, alors que plus tard, il se mettra en colère? Parce que là, il n'y a pas encore les nuages. Mais après, il y a les nuages. Donc les nuages, pourquoi ils sont venus les nuages dans le désert? Les cabanes de Soukot qu'on fait contre les nuages. Pourquoi? Selon le Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que les nuages étaient là pour protéger de tous ces mauvais esprits. Donc, tu peux pas dire maintenant que tu vas être influencé. C'est pour ça que sur chaque coup qu'on a eu dans le livre de Bamidbar, nous avons des conséquences et des punitions qui sont dramatiques. Et les conséquences, d'ailleurs, dramatiques, ont été reflétées sur la situation la plus probante d'un homme de devenir lui-même un désert.
Comment on dit donc le mot désert en hébreu? Midbar. Comment on dit parler en hébreu? Medaber. En d'autres termes, ce sont exactement les mêmes lettres. La parole peut devenir le désert des démons. Les démons peuvent vivre dans deux sortes de déserts, Rabotai. Ou dans les déserts que vous laissez remplis de sable, petit un, ou sur ta bouche qui est devenue comme un désert. Et c'est quoi un désert? C'est aride. Si tu parles de divrei chol, si tu parles de choses vaines toute la journée, de football, de politique, de toutes sortes de choses politiques, ça peut pas être spécialement vain. Mais ça dépend si c'est pour construire ou pour détruire. Qu'on se comprenne bien. Eh bien, ta bouche devient un désert. Donc les démons, ils ont le droit de s'installer où il y a du désert. Bamidbar medaber. C'est le cours qu'on a expliqué pour les femmes mardi, c'est aussi pour les hommes, sur esprit, démon, et sorcellerie ou imagination. Est-ce qu'on parle, il y a vraiment des choses? Oui, mais Vada, tu peux en faire entrer dans ta propre maison le pire désert qui soit. Et c'est pour cela qu'il est marqué Vesagar elem amidbar. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit, ce deuxième groupe d'hébreux? Ils ont dit, entre le désert où il n'y a que des démons et la mer où ça descend à 1800 mètres de profondeur, la mer rouge, je vous le rappelle, eh ben, on va retourner en Égypte, hein, tant pis. Il faut qu'on repasse par le désert pour retourner en Égypte. Hein? Il faut quoi qu'il arrive qu'on repasse par le désert pour retourner en Égypte. Non, ils reviennent, ils sont au bord du rivage. Ils reviennent en Égypte, ils ne sont pas dans le désert. Ils ne sont pas loin, ils sont en face de l'Égypte. Donc même combien même ils reviendraient, ils vont dans un désert qui mène à l'Égypte. Ils ne vont pas dans le désert du Sinaï. Ce n'est pas la même chose. C'est un couloir. Le Sinaï, il est après la mer Rouge. Non, c'est ce qu'on vient de dire. Donc là, ils retournent en arrière. Il est à droite. Donc, c'est ils ont fait un demi-cercle. Ils ont fait exactement un demi-cercle. Ils sont partis là, ils sont venus là. Il y en a qui disent qu'ils sont partis exactement au point de départ. Ils sont partis pour revenir à une boucle. Il y en a qui disent qu'ils ont fait un arc. Le méchané. Le troisième groupe, c'était le bétard. C'était le groupe du bétard. On va les fracasser. Mettez vos casques. Prenez vos baramines, les mecs. On va se les faire. Nulaire, venez la chembaem. Oui, on va pas se les faire. Vous avez vos fourches et vos couteaux, vos canifs. On va y aller. Ouais. Ah, ça fait en deux secondes. En deux secondes. Maintenant, Moshe n'a pas dit un mot. Déjà, ils ont fait la politique, droite, gauche, milieu, et le quatrième groupe, ils ont dit, regardez comme quoi que tout se répète, ouais. Il y a ici les kippot srugot, il faut faire l'armée, on va se battre, on va se taper. Bon, c'est une caricature, parce que par rapport à Israël, ça n'a rien à voir avec le sujet d'ici, ceci étant dit. Et le quatrième groupe, Trimlit Palel, la force d'Israël, c'est la prière, ils sont mis à prier. Lequel de ces quatre groupes, messieurs, d'après vous, a raison? Le premier, je vous rappelle, il a dit on va se suicider. Il est bon ou pas, lui? Lui, il a dit on va se suicider. C'est pas une bonne solution. Hein. Le suicide, c'est la plus grande lâcheté de ce monde. C'est lâche. D'accord? On a la proportion dans chaque groupe. Le mitabdim? Hein? Pour les mitbaël, comme les gens de Bétard. Les gens de Bétard, peut-être que tu te trompes de film. Tu parles peut-être de Massada. On est bien d'accord, parce que les gens de Bétard ont été massacrés par Adrien, ça n'a rien à voir. Les gens de Bétard, c'est un Kiddush Hashem, c'est autre chose. Et Massada? On parle de Massada, c'est un Kiddush Hashem. Ouais, et là, ça ne peut pas être considéré comme tel? Non, là, c'est de la lâcheté. Et pourquoi c'est de la lâcheté? Je vais te dire pourquoi c'est de la lâcheté. Pourquoi c'est de la lâcheté? Je vais te dire pourquoi, heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Quand tu vois un père qui te lève dans tes bras, chaque fois qu'un lion il vient s'approcher ou un chien vient pour te mordre, le papa en une seconde il donne des coups sur la tête et le chien il meurt. Il y a eu 10 plaies, comment tu peux penser à te suicider? Tu vois bien que Dieu est là. Donc comment tu peux penser à te suicider? Cette idée a été complètement sitra hara. Le suicide est la pire des choses qui puissent arriver à un homme. Parce que le suicide dans la tête d'un homme, c'est s'imaginer qu'en partant de ce monde, il va trouver le monde paisible. Il se gourre. Ce qu'il attend, c'est les pires souffrances pour l'éternité. Un lo minoucha. C'est une poursuite qui n'en finit pas après la mort. Donc, je ne veux pas rentrer dans l'histoire des suicidés. Aval Zedavar, Meod, Meod caché. J'ai un livre ici qui en parle. Que Dieu nous protège de cela. Mieux vaut mourir des pires souffrances sur terre que de se suicider. Je vous le dis. Shadvarim Yubrurim. Pire souffrance de ce monde, mais pas suicidé. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Parce que le pire du pire ici, c'est du Gan Eden à côté. D'une minute là-bas après le suicide. Mais quelle différence avec les gens de Massada, je peux vous dire? Parce que les gens de Massada, ils ne voulaient pas retomber dans les mains des enfants. Alors c'est le même cas. Nahon, c'était pour ne pas leur donner la victoire de faire la Vodazara. C'est une longue histoire, Massada. Je ne vais pas entrer là-dedans avec les hasards et ainsi de suite. Mach et Asu, Asu. Il y a eu plusieurs histoires dans le peuple d'Israël où il y a eu des suicidés. Et non seulement ce n'est pas considéré comme un suicide,
Mais de qui plus est, ça a été considéré comme un salaire. Par exemple, la Gemara nous raconte que quand Adrien a pris, quand ils ont pris par l'époque de Titus, les plus belles filles d'Israël qui les ont mis sur la galère, c'est que le dire, pour les emmener à Rome, et les plus beaux garçons d'Israël, il y en a qui disent qu'ils étaient 400 dans un bateau, 400 dans l'autre bateau, il y en a qui disent 800 et 800. D'accord ? Il y a une jeune fille qui s'est levée et qui a posé la question à un centurion et lui a dit « Mais pourquoi vous nous emmenez à Rome ?» Et il l'a regardé de haut en bas, il lui a fait comprendre que c'était pour les maisons roses. Qu'est-ce qu'ont fait toutes les filles ? Elles ont toutes sauté dans l'eau. Elles se sont toutes suicidées. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi elles se sont suicidées à Assur ? Je préfère mourir pur que d'être vendu à la prostitution et touché par des impurs. Dans ce cas, ce n'est pas un suicide. La femme de Rabbi Akiva, la troisième femme, s'est suicidée aussi, Rufina. Elle a pris un morceau de verre, elle a rentré dans son cœur. Pourquoi ? Étant la femme de Rabbi Akiva, quand Tonius Rufus est venu pour la prendre, comme on l'explique dans les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, le chiur qu'on avait fait là-bas, et elle se le rend dans le cœur. Elle dit, je préfère mourir dans ce monde que d'être touché par un incirconcis. Ce n'est pas un suicide, ce n'est pas une sortie de secours. C'est, je ne peux pas être impur. Le mec, il vient et te dit, voilà, tu prends un revolver ou tu le tues lui. Oui ? Moutard ou assour ? Ben, c'est un suicide. Non, ce n'est pas un suicide, une fois de plus. Un homme saute du 10e étage, en plein saut, il se rend compte qu'il vient de faire une grosse bêtise, il regrette, il tombe en bas. Ce n'est pas un suicide. En d'autres termes, pourquoi ? Parce qu'il a eu le temps de regretter. Ce n'est pas l'acte en lui-même qui est un suicide. Le vrai suicide dans ce monde, c'est ceux qui ne sont pas chômeurs Shabbat. Eux, c'est des vrais suicidés. Eux. Ceux qui ne mangent pas kasher. Ceux qui ont une non-juive ou un non-juif. Eux, c'est des gens qui se suicident. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font de leur vie. Parce que le suicide du corps, ce n'est pas un suicide. Quand ces jeunes filles, ces jeunes garçons se sont jetés à l'eau, la Gemara nous dit elles n'ont pas jeté leur âme à l'eau. Elles ont jeté leur corps à l'eau. Ça n'a rien à voir. Le suicide du corps, ce n'est pas vraiment un suicide. Le suicide de la vie, la neshama, c'est un suicide. Donc on n'arrête pas sa vie. Dieu a donné la vie et il la reprend lui. Ne viens pas, avec ton libre arbitre, rentrer dans les comptes d'Hachem. Parce que tout ce que fait Dieu est pour le bien, il faut simplement être un tout petit peu patient pour comprendre. Alors vous avez ceux qui ont voulu se suicider, ceux qui ont voulu revenir en Égypte, ceux qui ont voulu se battre et ceux qui ont voulu prier. Qui a raison ? Prier. Qui nous dit que ce n'était pas un suicide dans son cas aussi. Le texte nous le dit. La Gemara nous le dit. Le Midrash nous le dit. Nachsham ben Aminadab est rentré le premier dans l'eau, suivi de la tribu de Yehuda. Baruch Hashem. Et qu'est-ce qui a marqué ? Waikansu ad nafesh. Il est rentré jusqu'aux narines. Et il s'est arrêté là. Et pourquoi il s'est arrêté là ? Parce que si j'avance plus, c'est fini pour moi. Il a levé les yeux vers la salle. Quand Nachsham ben Aminadab est rentré dans l'eau, il s'est arrêté ici. Il ne pouvait plus respirer. Quand il a levé les yeux vers le ciel, ça s'est ouvert. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Là, maintenant, je ne peux pas aller plus loin. Qu'est-ce que tu fais, Hachem ? T'es au maximum, c'est à moi d'agir. Et il a ouvert la mer. Ce n'est pas un suicide. Vous confondez. Donc, comme on n'a pas le temps, je vous le dis quand même, celui qui a raison, c'est celui qui ? Absolument pas. Hachem, yelachem lachem, atem tacharishun. Ne vous battez pas, c'est moi qui me battrai pour vous. Donc, réponse fausse. Alors vous dites. Non, c'est, n'insiste pas, c'est faux. Priez. Priez. Chut. Rabotai. Ici, on vient d'entendre, prier, c'était la solution. Il y a marqué dans le texte de la Torah. Matitz akelai. Daber elahim veissaou. Qu'est-ce que tu pries maintenant? C'est pas le moment de prier. Dis-leur qu'ils avancent. Alors, qui a raison? Personne n'a raison. Aucun de ces quatre-là n'a raison. C'est la réponse. C'est une question piège. De ces quatre-là, personne n'a raison. Voilà que la première DA, elle est catastrophique de se suicider. Il est évident. La deuxième DA, elle est sympathique de se battre la malo. La malo. Moi, personnellement, j'aurais peut-être fait partie du groupe de ceux qui veulent se battre. C'est les Tunisiens, on ne supporte pas. Tu m'aimes l'arclo. Tu vois, mais non, peut-être que j'aurais fait partie de ceux qui vont aussi prier. Je ne sais pas. Quoi qu'il advienne, dans ce cas précis, comme il s'agit d'une plaie cachée de l'histoire qui s'appelle la 11e plaie d'Égypte, elle appartient à Dieu. Et cette plaie-là, on n'a pas à s'en occuper. C'était Dieu qui devait s'en occuper. Mais Dieu nous donne un enseignement. Et cet enseignement est vital pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas un livre d'histoire, vous allez comprendre. Quand tu vois qu'une situation est bloquée entre la banque et ta famille, entre ta santé et tes finances, peu importe, des fois, tu te trouves en train d'être face à la mer et derrière toi, tu as un désert. Alors, je m'explique. Sur ta gauche, tu as la mer. Sur ta droite,
Tu as le désert et derrière toi, tu as les Égyptiens. Tu vas où? On ne sait pas quoi faire. On a prié, on n'a pas été entendu apparemment. On s'est battu pour y arriver, ça n'a rien donné. On a voulu mourir, ça a été effacé tout de suite. Akavana ne fait pas de telles bêtises. Et pour finir, on a voulu retourner, c'est-à-dire tout abandonner, pas se suicider, mais Akavana, plus d'argent à la famille, alors voilà, je te donne ton guet, de toute façon, je ne peux plus vous assumer. C'est ceux qui veulent revenir à l'état d'avant en Égypte, retourner dans le Guéhinnam de l'irresponsabilité. La Torah vient nous dire, qu'est-ce que tu fais dans un cas où dans ton mazal, tout est bloqué? Réponse de la Torah. Continue à vivre. Je vais où? T'occupe pas. Tu as fait tout ce que tu devais faire, avance maintenant. Veille ça ou d'Aber el Ben Israël, dis-leur aux enfants d'Israël qu'ils avancent. Et alors, qu'est-ce que je veux que je fasse? Tu veux bien que... Non, ça va s'ouvrir. Si tu as de la émouna suffisante, la mer, elle s'ouvre. Je vais en Israël, qu'est-ce que je vais perdre? J'ai pas les moyens, j'ai pas ceci. Avance. Dans la vie, avance. Ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. Si tu as vu que tout est fermé autour de toi, que ton mazal, c'est devenu une bulle, n'en viens pas à faire des bêtises. Exactement. Alors ça, c'est toute la Torah de Rabbeinu. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, dans la vie, tu n'attends même pas d'être coincé de partout. Dans la vie, avance. Avance. Pourquoi? Combien de gens ont dit, quoi, tu fais ça, plus jamais je te parle. Le temps, ceux qui viennent te voir, ceux qui te demandent pardon, laisse le temps faire les choses. Mais toi, avance avec Hachem. Et c'est ça la réponse de cette paracha extraordinaire. Tout est bloqué dans ton mazal, ça bouge pas, t'es mal. Qu'est-ce qu'on va faire? La maison, la voiture, ils veulent la prendre. Mana aseb chaim, j'ai pas de travail, je parle pas la langue. Donc, tu veux te suicider, c'est pas bon. Prier, t'arrêtes pas, c'est pas entendu. Dans la paracha. Il dit Dieu, c'est pas le moment de prier pour l'instant. T'as un tikkun à faire. Lequel? J'ai un problème avec vous. Et je vous dis lequel. Je vais rentrer ici. Je n'arrive pas à visualiser Narchot qui avance, le temple, les ossements de Yosef qui s'ouvrent. Qu'est-ce qui se passe? La photo, je ne la vois pas. Parce qu'à un moment, on nous dit c'est grâce à. On a présenté les ossements de Yosef, la mer s'est ouverte. Là, on parle d'une autre façon d'ouverture de la mer. Comment ça s'est passé en même temps? Ok, alors toi tu es en train de dire que plusieurs midrashim nous donnent en fin de compte que la clé de l'histoire de la mer rouge qui s'est ouverte en 12 ponts vient de l'archemène Aminadav, d'un coup on nous dit que c'est le tombeau de Yosef, d'un coup on nous dit que c'est le désespoir du peuple d'Israël, la moiteur qui est montée en disant Dieu on est angoissé, ainsi de suite. Celui qui a ouvert, tu veux la réponse tout de suite? Je vais te la donner tout de suite. C'est la Shrina qui a ouvert, c'est uniquement Hachem. C'est Hachem qui a ouvert la mer et c'est marqué comment? C'est marqué que quand la Shrina est apparu devant l'ange de la mer, il s'est tout de suite prosterné devant elle, et en se prosternant, comme on faisait quand on voit un roi, qu'est-ce qu'on fait? On ouvrait ses mains. L'ange de la mer a ouvert, en d'autres termes, l'océan. L'opachot de l'oyoter. Seulement, cet océan, il s'est ouvert par rapport à des dimensions différentes. Alors, pour répondre à ta question, il faut rentrer dans la Kabbale. Ça veut dire quoi, le tombeau de Yosef, quand ils ont vu les ossements de Yosef, comme il a eu le sroud de se sauver de la femme de Poutifera, alors Vayanos, Xerach, on avait parlé de ça. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est qu'en réalité, il faudrait rentrer dans la Kabbale pour faire comprendre que l'histoire de la mer Rouge, c'est l'histoire de l'amour entre un homme et une femme. C'est un peu compliqué. Toute l'histoire de la mer Rouge, c'est quand la femme revient du Mikvé, l'homme retrouve sa femme. L'homme monte sur sa femme et ils s'embrassent et ils font l'amour. Ils ne font qu'une seule chair. C'est toute l'histoire de la mer Rouge. C'est pour cela que quand tu vérifieras Shabbat, si Dieu veut, les initiales de Asia Sher Moshe, tu verras constamment les mots Bet, Yud, Aleph, et plein de fois. Bia, qui veut dire quoi Bia? Faire l'amour, faire l'amour, faire l'amour. Et pourquoi? Parce que comme je vous l'avais expliqué, pour se marier, il faut trois conditions. Maseret Kedushin, il faut Kesef, on est sorti avec l'argent. Il faut Bia, avoir été avec elle, c'est la mer rouge. Shtar, Matan Torah, c'est le don de la Torah. C'est les trois conditions qui vont nous accompagner. D'accord? Donc, quand est venu Yosef à Tzadik, il représente Sfirat à Yesod. Quand on a amené le tombeau de Yosef à Kavana, il y a eu à ce moment-là l'union d'en haut et l'union d'en bas. Ce sont les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui se sont entremêlées. Il y a eu une telle puissance énergétique d'amour des enfants d'Israël qui sont tous devenus d'un coup prophètes. Et c'est quoi cette prophétie que nous avons eue? C'est à l'image d'une femme qui arrive au summum de sa jouissance quand elle est avec son amour. Quand les hormones montent jusqu'à l'hypothalamus, à ce moment-là, donc le petit cerveau,
et qu'elle arrive à sa jouissance, c'est le Az Yashir Moshe d'enfant d'Israël. C'est tout ça, c'est un rem, c'est très profond comme sujet, je vous le dis. C'est pas comme ça sur un claque des doigts. C'est Me'od Amok. C'est pour cela que l'histoire de Yosef et Tzadik, on vient nous dire que c'est le Yesod de Yosef et Tzadik, mais c'est le Yesod, le tombeau de Yosef et Tzadik. C'est l'union entre quand l'homme rentre dans la femme. Voilà. C'est beaucoup plus profond que le Pshat. Nachshon ben Aminadav vient nous enseigner quelque chose de phénoménal. Est-ce que tu peux aller jusqu'au bout du bout de tout? La Messirut Nefesh. Mais celui réellement qui a ouvert la mer, le Pachot de l'Eter, Zé Moshe Rabbeinu. Alors pour répondre à ta question quand même, j'aimerais te lire ce qui est marqué ici. Vayavu ben Israël, Betoch Hayam, Bayabasha. Donc ils sont rentrés les enfants d'Israël, Betoch Hayam, ça veut dire quoi Betoch Hayam? Bayabasha. Sur la terre ferme. Donc en d'autres termes, la mer s'est ouverte à droite et à gauche en 12 ponts. Il y a eu 10 miracles qui ont lieu dans cette mer. Il y en a qui disent beaucoup plus, la Gemara, le Mishané. Bayabasha. Vamaim, laem, choma. Et l'eau était donc comme une muraille. Et choma, comment c'est marqué là-bas? Het vav mem he. C'est comme ça qu'on l'écrit en hébreu. Choma. Het vav. Le vav, c'est pas une consonne, c'est une voyelle. Mem he. C'est bon jusque-là? Regardez. Miminam, sur leur droite. Ou misemolam, bene Israël alchou bayabasha betochayam. Après que c'est marqué. Vamaim, laem, choma. Miminam ou mismolam. Donc, dans deux versets différents. La Torah vient nous répéter deux fois la même chose. La mer s'est ouverte en deux, sur leur droite et leur gauche, et le mot Choma est écrit dans le premier verset avec un Vav. Et dans le deuxième cas, c'est, je crois que c'est en Yutet, c'est pas marqué ici. Kaftet, voilà. Dans Kafbet, c'est marqué avec un Vav, et dans le verset Kaftet, plus loin, c'est marqué le mot Choma sans Vav. Et pourquoi? Pourquoi tu m'envoies un Vav? Explication extraordinaire. En Merkacha, Lama bli Vav, Meramez al Baalei Emuna, Shinichnasu, Betochayam. Quand il y a marqué la première fois avec le mot Vav, Choma complet, c'est Nachshon ben Aminadav et la tribu d'Yehuda, qui eux sont rentrés dans l'eau parce qu'ils avaient Emuna Shlema, que oui, ça va s'ouvrir. Et quand dans ce monde tu vis avec une Emuna Shlema, qu'Hachem il est avec toi, que tu vas réussir dans la vie, cette énergie d'Emuna ouvre la porte même quand il n'y a pas de serrure. C'est pour ça que pour eux ça s'est ouvert, et cet enseignement vient nous apprendre pour nous. Comment un homme doit se conduire vis-à-vis d'Hachem? Et pas le mec, il est à Mechalel Lakol, il dit Dieu est avec moi, je travaille Shabbat, je vais faire une tonne d'oseille. On ne parle pas de cet imbécile. On parle de quelqu'un de sensé. Nachshon ben Aminadav, il s'est scruté, il a fait tchouva avant. Il a dit Arshav anit kadem, je vais avancer dans la vie. Parce que je suis mamine Beimouna Shlema. Donc le premier verset qu'on a lu donc dans Kafbet, il parle des Baalei Emouna. Donc ils sont entrés Betoch Hayam. Et le deuxième verset dans Kaftet, qu'est-ce qu'il vient de dire? Bayabasha. Il y a un autre groupe qui ne sont pas rentrés. Ils ont vu la mer s'ouvrir comme ça. Ils sont restés à l'extérieur, dans le devant. Quand ils ont vu que le sol devenait du marbre, Bayabasha, le deuxième verset vient, mais il dit, là, il n'y a pas de vav. Pourquoi il n'y a pas de vav? Choma bli vav. Pour te dire qu'il y a le deuxième groupe. C'est-à-dire, au début, on a quatre groupes. Ils ne savent pas quoi faire. Après, ils avancent. Ça se divise plus qu'en deux groupes. C'est déjà pas mal. Il y a ceux qui ont de l'aïmouna, ils avancent alors qu'il y a encore de l'eau. Betoch Hayam. Eux, ils sont rentrés même qu'avec de l'eau. Ils n'ont pas vu le miracle encore. Les autres, quand ils ont vu la mer s'ouvrir et que le sol devenait du marbre, et qui plus est, c'est pas n'importe quel marbre, hein, c'est un marbre, c'est-à-dire tu n'avais pas besoin de marcher. Hein. C'était un tapis roulant. Ça t'emmenait. Ah, c'était hélico presto. Hein. Tu mettais tes pieds, t'avançais, comme à l'aéroport. Tu sais, t'as des trucs comme ça. Ça avançait. Ah, bah ça va, on peut y aller alors. Alors c'est pour ça que pour eux, c'est marqué Betoch Hayam, Bayabasha. Et le verset revient deux fois de suite pour te dire qu'il y avait les Baal Emouna et il y avait ceux qui n'étaient pas les Baal Emouna. Donc tu vois bien que pour répondre à ta question, ce n'est pas non plus Narcham de la Nomenadab réellement qui a ouvert la mer. Mais lui, il a montré le chemin d'une Choma qui était Shlema, c'est-à-dire complète, intègre, tandis que les autres ont montré un chemin de « Je suis Mahamine que quand tu me montres ». C'est un peu des symptomates. Je ne crois que ce que je vois. J'ai attendu de voir le Yabasha pour pouvoir entrer Betoch Hayam. Ah, je comprends l'explication, mais pourquoi le Vav? Je comprends pas le Vav, comment on arrive à cette explication-là par rapport au fait qu'on a enlevé un Vav ou pas? C'est plutôt par rapport au fait qu'on l'a dit deux fois. Alors, justement, par rapport à ta question, c'est marqué ici. Daya qui trouve Machinchnala, Elou, Beelou, Alelou, Avdavodazara. Il dit comme ça. Veishiv, Hashem, Kadosh Baruch Hu, Shibiskut, Aimuna, Kedai, Laem. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu? Regardez bien. Écoutez bien ce qui est marqué, c'est un beau chidouche. Regarde.
Il dit, qu'est-ce qui a permis à Dieu d'ouvrir la mer alors que les deux peuples étaient Ovdei Avodah Zarah? Ça veut dire qu'ils faisaient les deux cultes étrangers de l'idolâtrie, les Hébreux et les Égyptiens. Qu'est-ce qui a permis à Dieu de faire une injustice, une brèche dans la justice, plus exactement? Première explication que nous avions déjà donnée, Pharaon a dit, qui c'est Dieu pour que je l'écoute? Ah ouais, alors plus qu'il y a marqué, plus que c'est Dieu, plus que je l'écoute, c'est un combat personnel qui n'a plus rien à voir avec les enfants d'Israël. Deuxième explication magnifique que nous livrent ici les Chachamim, c'est que Akadosh Baruch Hu avait besoin que les enfants d'Israël obtiennent un mérite supplémentaire pour sortir. Et lequel était-il? L'Aïmouna. Quand est-ce qu'un homme est-il jugé dans sa Aïmouna? Quand son Malazal est bloqué. Il va bloquer les enfants d'Israël entre la mer, le désert et les Égyptiens. Et il a besoin de l'Aïmouna pour les faire sortir. Et c'est dans ce sens que la clé qui a ouvert la porte était Narchon ben Aminadab avec la tribu de Yehuda qui rentrèrent les premiers dans l'eau. Et c'est ce qui a marqué, regardez bien en hébreu ce que ça donne. Le kitrouk se maintenait jusqu'au moment où Dieu les a mis à l'épreuve sur le bitachon, à savoir est-ce que vraiment vous avez confiance en moi. Imken ifizé, gabé bnei Israël al chub betoch hayam mikodem, ou be emuna ou bitachon ketiv etzlam vayavu, ben Israël betoch hayam vacharezek atuv bayabasha. Et ensuite, aval katashnia, delo ayum aminim kolkar, atcheru ben em ayabasha, lechen ketiv blivav. C'est pour ça qu'il y a marqué sans vav. Pourquoi? Parce que ça fait le mot chema. Et chema, ça veut dire quoi en hébreu? La colère. La colère. Ça veut dire que si ils avaient attendu, pourquoi le mot chema est marqué sans vav? Parce que le mot chema, quand tu le lis, c'est un cholam ne'elam, on le voit pas. Donc ça fait het, même he. Et chema, c'est quoi? C'est le nom de l'ange de destruction de la colère. Chema veut dire colère. Ça veut dire que si on avait attendu le deuxième clan pour entrer dans l'eau, qui serait dit, ouais, les Égyptiens aussi croient pas en toi, et les Hébreux aussi, ils ont attendu le miracle pour dire Esbaï Lokimi. Ça veut dire en d'autres termes que maintenant qu'ils voient que la mer s'est ouverte et que tout est fait, ouais, alors on vient. C'est pour ça que je vous dis la vérité. On a beau dire ce qu'on veut du Kamamdina, mais qu'est-ce qu'ils ont comme mérite, nos grands-parents, d'être venus s'installer dans cette terre qui était Eretz Israël, avec vivre dans des tôles, dans des taudis. Ils sont venus ici, ils étaient au Maroc, ils étaient en Tunisie, ils étaient en Algérie, ils étaient en Libye, ils étaient en Syrie, ils étaient en Égypte. Ils sont venus en 1945, 46, 47, 1950, 54, et j'en ai connu pas mal. Ils me racontaient qu'il n'y avait pas de toilettes, et si tu étais sfarade, on te jetait. Tous les Ashkenazim étaient placés à Tel Aviv dans des appartements. Et ceux qui plus est, les sfaradim, qu'est-ce qu'ils avaient comme travail? Travailler la pierre. On les mettait dans des camions. Allah shalom. Nano, c'est un homme qui est venu de Tunisie en Israël. Il a perdu ses yeux en travaillant dans la pierre. La poussière lui a aveuglé ses yeux, bassof. Et les Ashkenazim, c'était les bureaucrates. Tout de suite, une haine. C'est-à-dire qu'après après l'Allemagne nazie, l'Europe qui nous a vendu, on vient dans notre territoire. Et ça a été la guerre. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la guerre continue. Hein, dans le monde de la Torah aussi. Ah, j'ai ma nièce qui doit rentrer dans une école ashkenazite. Elle est sfaradite, elle est pas reçue. Et donc, bien entendu, vous avez bien compris que Habit Bol est devenu Avital, que Schwarzenegger, ça tombait très bien hein, comme nom, Schwarzenegger, c'était, je rentre bien dans le truc, donc tous ces noms de Yossi, ça tombait bien, on l'a vu dans le monde des Shivot, jusqu'au jour où Baruch Hashem est venu le Rav Odia Yosef qui a relevé le flambeau du monde Sfarad, heureusement qu'il est venu ce Rav, heureusement qu'il était là, sinon aujourd'hui on serait les balayeurs d'Eretz Israël. Il n'y a pas de haut et de bas, mais juste pour que l'on comprenne un petit peu ce qui s'est passé, quel mérite ils ont eu, pourquoi? Parce que nous, quand on vient faire notre alia aujourd'hui, on ressemble plutôt au premier groupe ou au deuxième groupe? Bah, il y a Bacha, il y a déjà la mairie, il y a les banques, il y a les appartements, il y a les routes. Oh, mais ceux qui sont venus ici, bon, on m'a raconté qu'à Ashdod, il y a 50 ans de cela, 50 ans, Ashdod, c'était rien d'autre qu'un désert. Hein. Un désert. On m'a raconté qu'il y a 20 ans, ici, un taxi m'a dit ici, bon, il n'y avait pas City, il n'y avait rien, tout ça. C'était des dunes. Regardez ce qu'on a fait. Ils sont venus s'installer. Ils sont venus construire. Ils sont venus faire. Bravo. Bravo. Franchement, eux font partie de Narchon ben Aminadab. Est-ce que c'est eux qui ont fait le pays? Non, c'est Dieu qui le permet. Mais eux ont été les Narchon ben Aminadab de l'histoire. Les Mitnachalim, ceux qui sont partis s'installer, ben vada qu'ils ont un sroute hors du commun. Mais une fois de plus, les gens n'arrivent pas à comprendre. Je voudrais vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble d'être religieux ou pas en une seule parabole, et je pense qu'elle vous plaira dans le sens où elle est quand même assez expressive. Une femme voulait absolument se marier avec un homme. C'est mieux. Surtout dans cette génération. Et cet homme, comme cette femme était follement amoureuse de lui,
lui a dit, ok, tu sais quoi, on va se marier. Moi aussi, franchement, je crois que j'ai des sentiments pour toi, on va se marier. Le seul problème que j'ai, c'est que Ginette, elle vient avec nous, quoi. Qu'est-ce que c'est Ginette? Bah, Ginette, Sophie, Sandra, c'est qui tout ça? Tu maries avec moi et tu m'amènes des maîtresses? C'est quoi ce mariage? C'est le chiloni qui vient en Israël. Quand tu n'es pas religieux et que tu viens sur cette terre, tu te maries avec la terre d'Israël. On a expliqué que l'Égypte c'était la mère et que Israël c'était la fiancée. Qu'est-ce que tu m'amènes la Vodazara de ne pas être Shomer Shabbat? La Vodazara de te mettre en colère? La Vodazara de ne pas respecter le Maaser? C'est pas la Vodazara, c'est un mauvais exemple que je viens de donner, le Maaser. Aval, de façon générale, t'es pas venu ici pour manger ta ref, t'es pas aussi venu pour... Alors c'est là qu'est tout le problème. C'est comme un homme qui dit à une femme, tu m'aimes tellement, oui, je ferai tout pour toi. Alors, je me marie avec toi, mais qu'à une condition. Qu'elle aussi, elle vive avec nous. Tu as entaché tout le mariage. C'est exactement la chose. Et aucune femme n'accepterait, je vous le dis. Ok? Une femme de chez nous. Elle n'accepterait pas. Pourquoi? Toi et moi, c'est un, c'est pas 12. La reine, Karzeb, Béret Israël. Ils ont un mérite extraordinaire parce qu'ils se sont mariés avec l'État d'Israël. Alors, de l'autre côté, ils ont entaché une histoire sur le peuple d'Israël. Sans les juger. Sans les juger. S'ils sont religieux, Nematov Malay. Baruch Hashem. Les Ayakolaïnan. C'est pour cela, d'ailleurs, que vous allez comprendre à un autre degré pourquoi les 80% sont morts à la 9e plaie. Parce que ils ne seraient pas sortis non plus s'ils avaient vu Bayabasha Betochayam. C'est-à-dire qu'il y a quand même une limite minimum dans ce monde. Il y a celui qui attend de voir le miracle pour y croire. Il y a celui qui voit le miracle tout le temps et qui n'y croit pas. Alors lui, il part. Lui, Dieu, il le prend. Il n'a plus rien à faire avec lui. Voilà, c'était juste pour répondre à vos questions. C'est la Shrina qui a ouvert la Yam. On doit tout à Hachem. C'est pour cela que ce n'est pas pour vous que je raconte cette histoire, c'est pour les gens qui nous écoutent. Cette fameuse histoire des plus connues de toutes les histoires sur la sortie d'Égypte, vous la connaissez toutes. Et je sais que, Baruch Hashem, vous la connaissez vous-même, alors je la raconterai pour les gens qui nous écoutent, comme je viens de le dire. Je me répète aujourd'hui, dis donc. C'est la fatigue. Ah, Shabbat arrive. Baruch Hashem. Il me reste une minute, monsieur Maurice. Hein? Ah, c'est pas parce que c'est pas pour vous, Tov. Un jour, un roi, alors qu'il était sur son cheval, a vu, avec ses soldats, il partait en guerre, il est revenu de la guerre, il a vu un berger qui avait comme ça son troupeau sur le chemin. Alors le général a demandé à l'honneur du roi, au berger, de bien vouloir dégager son troupeau à toute vitesse. En un clin d'œil, un coup de baguette magique, le berger était tellement habile, c'est tellement intelligent qu'il a mis tout le troupeau en 2 secondes sur le talus, bien rangé comme il fallait. Le roi était stupéfait de voir un truc pareil. Il lui a parlé en lui demandant comment vous avez fait une telle chose, vous êtes assez habile. Et en entendant la voix de ce berger, il s'est rendu compte qu'il parlait avec beaucoup d'intelligence, que le ton était posé. Il s'est intéressé tout de suite, il y a eu un feeling qui s'est installé entre eux, une amitié tout de suite qui s'est installée. Alors le roi est descendu de son cheval, ils ont fait quelques pas ensemble, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une personne vraiment du commun. Après s'être entretenu avec lui sur toutes sortes de mathématiques, sur l'astrologie, sur la politique, sur la guerre, il s'est rendu compte que le mec c'est une bombe atomique et qu'il a des réponses uniques en son genre. Alors il l'a déclaré Premier ministre. Et il lui a dit plus que cela encore, tu deviendras mon conseiller et le Premier ministre de tout mon royaume. Vous savez, vous vivez dans... je suis juif et... moi, j'ai pas spécialement besoin de tout ça. J'ai de quoi manger. Vous savez, j'ai ma petite sacoche. Vous voyez, j'ai des pérorimes de pain. J'ai pas besoin de faisan. Il lui a dit, tu auras tout caché, ne t'inquiète pas. Non, mais vous savez, tu veux pas commencer à me fatiguer. L'esprit, le moral, c'est un ordre. Andouille. Bien, sire. Pas de problème. Et à ce moment-là, il vient. Et après quelques mois de service, le royaume du roi commence à s'enrichir. Il gagne les guerres. Tous les conseils que donne ce juif ne donnent que de la réussite. Bien entendu, les autres corbeaux, donc les autres ministres, ouais, commencent à fomenter un plan pour essayer de dégager ce juif. Ouais, les juifs. Résultat des courses, ils viennent voir le roi et lui disent « Nous avons la preuve que votre dit ami juif n'est rien d'autre qu'un traître qui vous vole vos caisses. » Le roi leur dit « Faites très attention à ce que vous me dites. Si vous n'avez pas de preuves formelles, c'est vos têtes qui sauteront de votre cou. Nous affirmons ce que nous disons. Très bien, quelle est votre preuve ?» Depuis un an, vous lui avez donné un château, Nachon. Il dit Nachon. Bon, c'est pas israélien, ils n'ont pas dit Nachon, c'est moi qui lui dis. Nous avons envoyé là-bas
valets. Mais les valets que nous avons là, c'est le Mossad. Et ils affirment que tous les matins et que tous les soirs, tous les matins et tous les soirs, ils s'enferment au fond du couloir. Il a une pièce sur la gauche. Ils rentrent dans cette pièce et pendant une heure, ils restent là-bas. Alors, nous sommes partis le voir. Nous avons fait semblant que nous voulions le visiter. Chaque fois qu'on tapait à la porte, il refusait d'ouvrir. Nous pensons qu'il vous le vole, cet argent, et qu'il le met là-bas. Ou alors qu'il donne des renseignements à vos ennemis. C'est pour ça qu'il arrive à tellement bien vous répondre. Le roi dit, je n'en crois mot, je veux le voir de mes propres yeux. Ils débarquèrent chez lui à l'improviste et attendu qu'il rentre dans sa pièce pour taper à la porte. Au nom du roi, ouvrez. Et là, à ce moment-là, n'ayant pas le choix, il est obligé d'ouvrir la porte. Tous les ministres se sont précipités dans la pièce. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette pièce? Juste quatre murs. Ils ont poussé la porte contre le mur et ils rentrent. Ils s'attendaient à trouver des codes, des lettres, des courriers. Il n'y a ni table, ni chaise, ni meuble, ni cadre, rien. Un sol, quatre murs. Là, les ministres sont outrés, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont émus. Ils regardent le roi, ils savent qu'ils ont perdu leur vie. Et le roi, il regarde le berger et lui dit, enfin, son ministre, premier ministre, il lui dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette pièce? On m'a dit que tous les matins et que tous les soirs, tu rentrais dans cette pièce. Qu'est-ce que tu fais ici? Si c'est pour parler à ton Dieu, t'as les chants, tu peux le faire dans ton salon. Alors qu'est-ce que tu fous là? Et à ce moment-là, le premier ministre, le juif, il vient et ferme la porte. Et derrière la porte, il y avait un clou. Et sur le clou, il y avait le bâton de berger. Il y avait son sac où il y avait les pérourimes de pain qu'il mangeait. Vous savez, les miettes de pain. Et il y avait son habit de haillon qu'il avait quand il était berger. Il dit, je vous dis la vérité. Depuis que vous êtes venu me prendre d'où j'étais, j'étais un berger, je dormais sous le ciel, avec des odeurs pas agréables, des moutons qui étaient autour de moi et des chèvres. Bekitsour, je viens d'un monde pourri, quoi. Et d'un coup, je me suis retrouvé avec des habits de soie, des fils d'or. Alors j'ai eu peur de m'enorgueillir. Alors j'ai pris sur moi tous les matins et tous les soirs de rentrer dans cette pièce et de reporter ses vêtements pendant quelques instants et de me rappeler constamment d'où je suis sorti et ce que vous avez fait de moi. Cette métaphore, c'est exactement ce que nous vivons. Nous étions en Égypte, esclavage, comme des habits de haillons. On n'était rien, on était dans la boue, de mauvaises odeurs. Et Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte. Alors le matin et le soir, le matin, on fait Shema Israël et le soir, on fait Shema Israël. Et on finit avec quelle phrase? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Rhabille-toi de tes haillons au niveau de ta pensée pour te rappeler qui tu étais et regarde ce que Dieu a fait de toi aujourd'hui. N'oublie jamais qui tu étais avant. N'oublie jamais d'où tu es sorti. Donc, remets-les. C'est pour cela que tous les jours et tous les soirs, toutes les matinées et tous les soirs, nous avons une obligation de la Torah Mitzvah Taseh d'Oraïta, comme c'est marqué dans ma Maseret Brachot. Marqué là-bas, pourquoi on fait les tzitzit, le troisième paragraphe du Kriyat Shema, arrêt tzitzit noeg bayom velo balayla, il y a marqué dans la Gemara. On les met le jour et pas la nuit, parce que là-bas on parle de la sortie d'Égypte. Et comme la sortie d'Égypte est une mitzvah tassée de la Torah de le rappeler le jour et la nuit, donc quand vous direz dans Kriyat Shema, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, ani Hashem Elokechem et shotzeti et tramirat Mitzrayim, avant faut penser à reni balekem mitzvah tassée de Oraita. Et Dieu nous dit, n'oublie pas de rentrer dans ta pièce tous les matins et tous les soirs pour ne pas t'enorgueillir du pays que je t'ai donné, de l'armée que je t'ai donnée, de cette magnifique opulence dans laquelle on vit, parce qu'il faut dire qu'on a les plus belles voitures, on a des maisons magnifiques en Israël, on a un soleil juif. C'est bon vivre en Israël. Mais n'oublie pas, ne viens pas pleurer ton Égypte, ton Paris ou ton Lyon, ou là où tu vis, peu importe, ton Los Angeles à 2 francs. Rappelle-toi, Bezrat Hashem, d'où tu es sorti, et ce que Dieu t'a gardé tout en restant le même personnage, et ce que vient lui enseigner ici. Et ça, c'est exactement ce que voulait Hashem. Je suis l'Éternel, ton Dieu, je ne vais pas tout donner sur un plateau. D'abord, il faut que tu sortes avec un bagage. Et ce bagage s'appelle la Emouna. Betoch Hayam, premier niveau. Bayabasha, deuxième niveau. Dans l'eau ou sur la terre ferme. Où tu viens pour faire le pays, où tu viendras en Israël quand il sera construit. Mais dans les deux cas, viens. Sinon, tu meurs. Rabbi Hananel Menachem, Rabbi Zakat, 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 Rabbi Zakat,